Alors Eugène Roman était donc mon oncle. La famille Roman, quatre frères. Eugène Roman qui était le premier de la famille Roman à être à la Victorine en tant que décorateur. Et Eugène Roman a donc participé à beaucoup de films à cette époque-là, parce que la Victorine avait une grosse activité. Et c'est à cette époque où donc le film Mon oncle s'est tourné. C'est là où ils se sont rencontrés avec Jacques Tati. Et c'est le début d'une carrière pour Jacques Tati, qui lui était un homme du cinéma, mais qui commençait aussi sa carrière en tant que cinéaste. Et mon oncle Eugène, lui, a commencé sa carrière avec Jacques Tati. Et l'entente a été assez rapide, dans le sens où ils étaient tous les deux de grands passionnés, un de la mise en scène et l'autre de la décoration et de la construction. L'avantage qu'avait Eugène Roman, c'est que c'était des gens aussi qui connaissaient la construction. Et à l'époque, il ne faut pas oublier que les décors étaient une chose très très importante. On construisait des décors. À la Victorine, il y a eu des décors monstrueux qui ont été faits, c'est-à-dire des décors énormes avec des constructions de places entières de Paris qui sont maintenant inimaginables parce qu'au niveau du coût et des compétences, c'est devenu difficile à réaliser, quoi. On tourne maintenant dans des conditions naturelles, beaucoup plus rapides et qui sont beaucoup moins onéreuses. Voilà.